bimisaka moi hyper moki saka mfula yosa monene yande olongola kama kristisi.
au travers de ta parole, qui sera annoncé tantôt. Seigneur, selon qu'il est écrit, l'Esprit de l'Éternel pourrait sûrement pas sur ma roi pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Je vais expérimenter cette phrase. À toi la gloire, au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec moi. Amen. Amen. Et nous l'acclamons très 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 fort. Amen. À tout le monde pour toi, Père. Et je veux que tu à toi, ton Dieu. De gauche à droite, ceux qui vont souffrir pour atteindre les lieux, à cause de l'état de la route qui est en chantier, ils ont du mal à atteindre les lieux du culte. À cause du chantier qui est sur la route, à vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse pour votre bravo. À vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse pour votre bravo. Alléluia. Amen. Que ce soit glorifié. Il y a des gens qui ont fêté les anniversaires pendant la semaine. Ils ont d'abord accepté qu'ils n'ont pas ça maintenant. En commençant par moi-même. Na kubanda na. Amen. Amen. Et que ce soit glorifié. Depuis le mardi dernier, on a tout le monde maintenant de tout à 9 ans. C'est beaucoup, hein? 9 ans. 9 ans de victoire. Nous avons connu des combats, mais n'est pas des victoires, des bénédictions et des progrès. Allez voir la gloire. Amen. Il y a la tête qui fait le petit théâtre, c'est une vidéo qui passe sur Facebook. Elle sortit à la mèche pour ton anniversaire. Elle est mon épouse, je te mets debout. Elle sortit à la mèche pour ton anniversaire. Elle sortit à la mèche des sucrés. Qu'on acclame quand même Dieu. Tu peux te rassurer que pour elle, j'avais vu sur Facebook. Ok, oh, maman Joël aussi. Maman Joël. Oui, papa Joël, wow. Papa Joël. Oh, maman encore. Non. Enfin, bref, tout ce qui ont péché, vous pouvez vous mettre à l'écoute. Nous allons glorifier Dieu pour votre anniversaire. Est-ce qu'on peut acclamer? Wow. Est-ce qu'on peut chanter à l'unisson? Joël. Progresser à tous égards. Amen. Amen. Ok, il y a Papa Christian. Là, il y a Papa Christian. C'est parmi les gens qui nous ont aidés à aménager l'église avant les plantations. Et ça, avant l'église inaugurale. C'est parmi les gens qui sont déchaînés pour arranger ces lieux. On n'a fait pas de chaises, on s'est battu pour aller louer Jésus avec lui. Papa, tout ça, tu peux te recevoir. Tu es sacrifié pour notre église. Tu es aussi à côté de lui. Que Dieu puisse te récompenser en notre église. Que Dieu te récompense pour tes sacrifices. Amen. Amen. J'aime ce que Job dit. C'est Dieu qui parle, qui a Job. Luc 16, 19 à 31.
C'est le verset que nous avions lu et développé le dimanche dernier. Et c'est le même qui m'est revenu encore pour aujourd'hui. Ok, on y va. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'une serre, et désirait de se rassasier les miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les gens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourit aussi, et il fit enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il fit de loin à Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qui l'un atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et le prophète, ils les écoutent. Et il dit, mon père, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se répandiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et le prophète, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscite. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Enfin, c'est un texte que nous connaissons presque tous. Ici, il s'agit de deux personnes qui ont vécu au même moment. Ils ont vécu ensemble, presque au même coin. Il avait dit, il y avait un homme riche et un homme pauvre. Ils ont vécu chacun selon la manière dont il a vécu. Et finalement, l'homme riche, celui de Lazare est décédé. Il a mis la colline. Sa mort. Les gens sont venus l'escorter jusqu'au ciel. Alléluia. Amen. Et quelques temps après, l'homme riche est décédé aussi. Mais la Bible n'a rien. Et les deux se sont retrouvés dans l'au-delà. Mais chacun est dans son coin. Je lui ai développé le dimanche passé. Mais on dit que j'aimerais ajouter ceci. Quelques les sont attirés de ce passage. Et puis c'est Dieu, écoutez la parole de Dieu par ma bouche. Et la vie finit toujours par s'arrêter. Pour passer dans l'au-delà. Je me répète, je dis, on ne vit qu'une seule fois. Et si la possibilité de regarder ton voisin est politique, on vit qu'une seule fois. On ne vit pas deux fois. On ne vit pas trois fois. On vit qu'une seule fois. Et la vie finit toujours par s'arrêter, pour passer dans l'au-delà. Voilà pourquoi les sages ont dit. Mais ce voyant seul. Ephésiens verset 8, chapitre 1, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle. Pour vouloir le retenir. Et il n'a aucune puissance. Sur le jour de la mort. Lorsque la mort vient, l'homme n'a pas le pouvoir d'arrêter la mort. Donc comme vous allez constater, même le médecin le plus expérimenté. Même le médecin le plus expérimenté. Quand la mort vient frapper à sa porte, il n'a pas le pouvoir de l'arrêter. Vous allez vous constater, les savants sont morts. Malgré leur savoir, ils étaient incapables
Pour notre vie éternelle. Mais pour mon amour, mon amour, ça c'est quoi? Tu peux avoir des biens quand tu es riche.
Opposé, béni le bon à mon Dieu. Je prends plus mon pied de pied comme. Opposé, il a plus le bon à mon bon là. Cela ne peut plus attendre à rien. Mieux ça ne fonctionnera plus. Par rapport à notre futur éternel. Voilà, non, non, l'oubli de Dieu à ses côtés. Tu écoutes pas. On s'en pépé. Et tu dois la gérer avec et
Soit dans le ciel d'Abraham, soit dans le séjour des morts.
attaché. Les jeunes juifs, c'est dit ça. Mais on trouve à l'ovation. Les jeunes juifs. Bandes juifs. Alléluia. Amen. Donc, si tu suis fait, tu fais pour lui poser des bonnes actions. C'est un copie qu'en fait. C'est un malade. La personne ira dans. Il ira vivre comme un dieu. Pourtant, c'est notre copie qu'en fait l'ensemble. Sur l'une des planètes célestes. Mais la mouvement m'a passé un solo. Mais une fois ce principe est épuisé, l'âme de la personne restera dans un autre corps au sein de ce qu'on appelle d'une casse. C'est impossible. Ça passe. Job dit ceci. Dans Job 14, 14. Job 14, 14. L'homme, il faut mort. Si l'homme, il faut mort, pouvait résivre. Il est en train de se poser des questions à la vie. Avec moi, je dans ce moment. Si l'homme, il va mort, pouvait revivre. Est-ce que celui qui t'a coupé maman a consolé qu'il y a la bombe? Il y a une possibilité de vivre ça. Vous qui t'a coupé, Kamacha? Une autre religion dit ceci. Paix pour la musique, Soloma. L'esprit des morts continue à errer dans le monde. Ami, pour lui, pour vous, il faut que vous vous en pour la mort. Après la mort, si m'en coupez, l'esprit de la personne va commencer à errer, si elle est là dans le monde. Mon livre, vous savez comment se coter les nanas. Et peuvent influencer le vivant. Et ceux qui peuvent constamment ma situation. Je n'aurais dit à quelqu'un. Si un membre de votre famille. Et ce mot pourquoi il bosse est parti. Ah, et qui commence à réapparaître. Parce qu'il faut bien. Je n'ai pas lu un des morts. Ça a été pour les façons de Jésus. Pour qu'il ne revienne plus. Poisson il a fait. Ça c'est la culture bantou. Voilà la culture bantou. Non, si la personne meurt, comment ça. Il peut se résister, même parler. Non, non, non. Ça c'est de la sorcellerie. Voilà la fenêtre qui me dit mon bimba. La personne va commencer à errer, mais peut influencer les vivants. Mais vous voulez me continuer dans ce qu'on cambapé parce que ça n'a pas. Les esprits des morts vivent longtemps aussi. Et plus longtemps qu'il y a quelqu'un qui se souvient d'eux. Quand se souvient de vous, pas quand vous mourrez un point un trait. Quand c'est un que ce qu'on fait au fait les sous. Et tu continues à dire. Les gens célèbres. Les rois. Les héros, bref, les gens qui sont célèbres, par la tradition orale, quand on parle d'eux souvent, ils vont vivre pendant longtemps, pendant des siècles. Tandis que l'esprit du commun des mortels, l'esprit du commun de tout le monde, des gens qui peuvent disparaître après quelques générations. On parle de toi pendant que tu es vivant ou pendant que tu mets un point, un trait. Parle de l'autre, on s'en a pour me sauver, pour finir. Il y a tellement d'être dans quoi? Soit dans les seins d'Abraham, soit dans le séjour des morts. Soit dans le séjour des morts. Écoutez, Yoka. Une autre théorie spirituelle dit c'est ce que les gens disent. Tout le monde va au ciel. Tout le monde va au ciel. Parce que nous en connaissons, Thomas. C'est vrai? Tout le monde va au ciel. Parce que nous en connaissons. Car Dieu est trop bon pour jeter sa créature dans l'enfer. Les témoins de Jéhovah. Il leur dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et c'est tout le parole que Bumba mis à mon temps pour faire mal à mon corps. Tout le monde va au ciel. Parce que c'est la lune. Car Dieu est bon. Oui, c'est une femme à sa malade. Trop bon. Pour jeter sa créature dans l'enfer. Oui, c'est à toi qu'a écrit là où il y a la lune. Je me dis que notre Dieu a des principes pour entrer au ciel. Ça me donne un peu la liberté qu'on peut avoir foutre à la lune. Que tu refuses la musique chrétienne. Si tu commences à souffrir la musique païenne, la musique si tu prends la boisson, on dit que tu es un polygame, parce que tu crois ces choses. Écoutez-moi, la vérité, le mensonge, ainsi il est prononcé. Après que ça fasse, tout le monde, il restera que le mensonge ne deviendra jamais la vérité. Parce que quand je fais comme un rassuré, le principe de l'homme, ne changera jamais de couleur. Je ne sais pas si je suis là. 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 Je ne reviendra pas à la vie après la mort. Tu ne reviendras pas à la vie après la mort. Quand tu meurs, de la mort, sans Christ, tu mourras encore. Je vais l'expliquer après. Quand tu meurs sans Christ, là dans ta mort, tu vas encore mourir.
Malibena. Un autre principe. Oui, comme quand tu meurs, il y a des prières qui a lieu juste avant l'enterrement. Et j'en ai le sens au sel, sinon il y a moi, c'est pas fondé. C'est une prière pour les âmes des défunts. Afin que leurs âmes passent par la purgatoire. Pour les salir de leurs âmes. Parce que les catholiques, ce n'est pas biblique. Les catholiques, c'est abiblique. Tu mets ta vie n'importe comment. On met tu aimes les bars. On est même ça. Tu aimes les boîtes. On est ma boîte. Et chaque dimanche matin, tu viens à la messe. Et on a eu la messe dans ton. Si tu meurs dans le péché, je suis bien même si on fait la messe et les qui aiment, cela ne va pas changer ton état. Des fois, je suis fatigué de prêcher dans l'église. Il y a des marocains à ma matin. Il y a dans cette famille, ils ne font même pas l'église. Dans le soir, il y a plein de temps pour la salle. Mais il fait quand il y a un nom dans la famille qu'on évite les pasteurs et qu'on évite les pères. Et vous faites les gens dès que vous êtes. Mais non, la famille, il m'a fait un petit morceau. Quand nos vestiges ne sont pas là, quand on est dans le but, ils précisent. Ils meurent. Ils meurent. Pas souci. Mais vous voulez éviter le but pour quoi? Bon, non, c'est bon, pour rien. J'ai passé un mauvais cœur. Ah, mon cher, c'est ma mère. Mais de son vivant, il ne voulait pas la musique chrétienne. Il ne voulait pas l'église. Alors pourquoi les gens qu'on amène à l'église? Mais pourquoi nous pensons pas tout de même en tant qu'on enseigne? Entre nous. Je suis des païens. Dans les pressentiments. Après la mort, son corps on amène à l'église pour qu'on puisse bénir. C'est une aberration, permettez-moi l'expression. Amen. De l'eau, la on aspire sur le cercueil. Le bord du cercueil attrape l'eau. L'homme de la personne qui est dedans va mériter quelque chose de notre vie. L'exemple que nous posons sur la terre nous va déterminer. Et pour ça, nous nous serons auprès de Dieu. Nous serons loin de Dieu. Ce n'est pas l'eau qu'on jette. Ce n'est pas la pierre qu'on jette. Ce n'est pas la pierre qu'on jette. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Vanda sur vos personnes. On vit qu'une seule fois. Mais pour qui j'en garde mon corps? Et la vie n'a pas de prix, comme disent les Français. Mais vous me laissez le mener faire pour vous. Il va meurtre. On peut plus mal à mon corps. Tu mériteras l'au-delà. Mais beaucoup personne n'a dit il n'y aura pas de favoritisme. Vous côté. Il n'y aura pas de. Et vous avez pas ça pour la terre. Il n'y aura pas de sentiments. Non, parce que tu es belle, pas partout dans le royaume. J'avais un professeur à l'introduction de 3G1. Et dans son examen, son examen était oral. Quand il fit se présente, attends-moi ça, c'est l'aîné. Belle comme Ève avant la chute. Alors là, on a nommé les débats. Dès que le prof les regarde, à son prof analyse. Ne sois quitté au bout. Vous, c'est l'histoire en or. Je vois, parce que ton passage facile les connaît. Mais de l'équateur. Est-ce que j'ai ajouté quelque chose? N'abattez l'eau. Dès que tu es fidèle, tu as moins de 5 tout. Même si tu n'es pas intelligent. Mais le royaume ne sera pas comme ça. Vous pensez à l'eau, vous allez c'était la méritocratie. La pena est l'eau seigneur. C'était la méritocratie. La pena on l'a fait. Tu n'as pas mérité. Oh seigneur, de ce que tu vas récolter de l'autre. Voilà pourquoi l'apôtre a dit. On ne se manque pas de ce pas. On ne se manque pas de ce pas. Même si le passé ne te voit pas. Attends, même si ta femme ne te voit pas. Attends, même si ton mari ne te voit pas. Même si tes parents ne te voient pas. On ne se manque pas de ce pas. Un homme aura semé. Homme ta colonne. On se manque pas de Dieu. Parce qu'en s'en déchet. On se manque pas de Dieu. Parce qu'en s'en déchet. Tu vis dans le péché. On doit bien marcher. Tu veux hériter le ciel. On dit aux hommes de vous. Parce que c'est injuste. Nous en sommes à la fin beauté. Tu vis dans le péché. On doit bien marcher. Tu veux hériter le ciel. On peut t'en mourir. La fin de Dieu est injuste. On est ensemble à vous. C'est beauté. La Bible nous dit qu'il est le juste et juste. On est ensemble pour les hommes. Il est juste et juste. Attends, t'es pas sans. Il est le juste et juste. On est ensemble pour s'en dire ça. Si je permets ceux qui les païens, et ceux qui ne puissent entrer au ciel, pas qu'il y a l'aune. Là, voilà. Notre Dieu devient injuste. Sa mort me soutient. Mais sauf qu'il ne deviendra jamais. Le bois ne coupe pas dans le péché. Il ne passera l'éternité loin. On se manque pas de Dieu. Parce qu'il a un péché. C'est que l'homme aura s'aimé. Où nous t'as
Il est moissonnera. Par rapport à toute cette réalité, la folanda massa mieux sur mon attend. Toutes ces théories religieuses, faites de celle et nous sur Boyan. Je vais vous le dire. Mais il est comment Christ est fait.